Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un potage délicieux de pommes de terre et de pois cassés. On va regarder les ingrédients ensemble. Alors, j'ai 500 g de pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. J'ai deux oignons que j'ai coupés en morceaux également. J'ai 250 g de pois cassés. J'ai une cuillère à soupe d'huile. J'ai une demi-cuillère à café de poivre. Café de sel. Là, dans une cocotte, je mets les oignons. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Après, je mets la cocotte minute sur le feu, sur un feu doux, et je fais revenir les oignons. J'assaisonne de poivre et de sel, et je mélange à chaque fois. Je rajoute les pois cassés. Je mets les pommes de terre. Et je couvre d'un litre d'eau. Je ferme la cocotte minute et puis je laisse cuire pendant 20 minutes. Après la cuisson, là, je suis en train de mixer le tout avec le mixeur plongeur. Voilà, là, c'est bon. Je rajoute 50 g de beurre et 120 g de fromage râpé. Là, je mélange bien et puis je remets sur le feu jusqu'à ce que le fromage et le beurre soient complètement fondus. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.